Ferrand, un autre grand champion, en coach lui aussi, Cyril Diabaté. Combat dans la catégorie des moins de 66 kilos dans le coin bleu. Combattant français, accusant 65,8 kg sur la balance. 10 combats, 5 victoires pour 5 défaites, monsieur David Donadieu. Également combattant français, il pèse 65,8 kg, invaincu, 5 combats, monsieur Abou Toumkara. Abou, 1m79 pour 66 kg, relativement grand dans cette catégorie. Hein. Il est grand, grand, longiligne, bon boxeur et très humble. De son côté, David, il est dur au mal. Hein. David, c'est un dur à cuire sur ses 5 défaites. Ses 5 défaites à la décision et pas contre n'importe qui. D'ailleurs, il a perdu contre Jake Shore qui est actuellement à l'UFC, hein, 61 kg. Et même s'il avait perdu face à Nicolas Di Franco, il a fait très bonne impression. Mais à chaque fois, dans ses premiers rounds, il prend un petit knockdown. On dirait que c'est un petit rituel chez lui. J'espère qu'il ne va pas faire la même chose. En fait, il n'a pas peur du coup, ce qui est une bonne chose. Non, mais vraiment. Des fois, amené au sol, beau sprawl. Ah, il a une petite la tête, attention. Ouais, bien, un bon réflexe. Il se met contre la cage. Allez, il se retourne. Ah, belle amené au sol de Abou. Ouais. On voit tout de suite la différence des réflexes sur les défenses d'amener au sol comparé au combat précédent. Tout de suite, il se relève, il veut se les mains, au sol, il pousse la tête, il a les contrôles sur les poignets. De son côté, Abou, il réajuste, il essaie de passer la garde. Il revient assis pour travailler en garde papillon. Là, on peut voir tout de suite, on parlait des coachs précédemment, on peut voir, voilà, là, il y a un niveau encore une fois différent. Hein. On peut voir qu'ils ont tous les deux des très bons coachs de leur côté, qu'ils ont bien été formés. Ils sont à bonne école. Donc voilà, dans ce côté, Abou, il va essayer soit de passer, soit de frapper. De son côté, Kroll, il garde bien comme ça, collé contre lui. Il va le mettre contre la cage. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Kroll va l'utiliser pour se relever? On va voir ça tout de suite. Ah, il repousse là. Il pas qu'il congestionne là, parce que ça prend de l'énergie. C'est ce il se relève, ouais, c'est joli. Il a profité de ce petit espace là, de ce petit trou de souris pour pouvoir se relever. Maintenant, voilà, il n'est pas encore sorti, puisqu'il est encore dos à la cage. Abou contrôle bien. Donc Mathis, David est un record mitigé, 50-50, hein, 5 victoires pour cette défaite. Il reste quand même un combattant assez complet, toujours dangereux, comme on vient de le dire. Ça ne reflète pas réellement son niveau. Dur au mal. Donc c'est quand même un test, hein. C'est pas une raison pour laquelle il est face à Abou ce soir. Kroll a de très bons réflexes, hein, vraiment se remettre dos à la cage, récupérer. Voilà, le petit contrôle sur le poignet. Ah, il a attrapé le poignet derrière, c'était bien. Et ça. Il se relève tout de suite. Abou est tombé sur une petite teigne. Eh bien, il défend bien au corps à corps. Ah, il écarte les jambes. Beaucoup de luttes, hein, les deux vont pas mal congestionner par la suite. Hein. Ouais, c'est un gros début de premier round. Et on est qu'à la moitié encore. Hein. Beaucoup de clinch, beaucoup de pommeling. Donc ça fatigue tout de suite les bras, les épaules. Il part sur un single leg. Il revient en greco sur un double under. Hop, il redescend sur le double leg. C'est beau ça. Single leg. On voit vraiment les transitions. Hein. Ah, le problème, c'est que voilà, quand il part sur double leg, il essaie d'aller trop vite. Il aurait dû pousser un petit peu plus. Mais il a des bonnes transitions à chaque fois. Mais il se précipite un petit peu peut-être à bout ce soir. Un petit peu. Hop, single leg. Attention à Kimura. Kroll de son côté. Bien. Attention, il ne faudrait pas se faire prendre le dos. Attention, il ne faut pas laisser les crochets venir à l'intérieur. Oui, très bon réflexe d'avoir appris ce petit bras pour déséquilibrer. Car il était légèrement haut. J'ai l'impression que Kroll a pas mal progressé depuis son dernier combat. Hein. Mm-hmm. Il est parti d'ailleurs chez Marco Kovacevic en Suisse, à Fight Move Academy, pour s'entraîner. Pour aider Marco dans son dernier tournoi qu'il a effectué au Cage Warrior. Et peut-être que ça l'a fait un peu mûrir aussi, ça. Parfois, pour ces combattants, c'est ce qu'ils lui ont. Il lui manquait pas du cœur, il lui montait pas si tout ça, il l'avait. Donc, déjà, on a le principal, il avait déjà peut-être un peu de changement. Un changement, des choses nouvelles, sortir un petit peu d'extérieur, un renouveau.
et de voir des choses pour lesquelles on n'a peut-être pas trop l'habitude. Sortir de sa zone de confort, je dirais. Et là, il monte de belles choses, il réajuste à chaque fois. Il est bien, il met. Il a vraiment du combat, un bon combat à Abou. Je pensais que. Là, on voit qu'il passe tout de suite sur la montée. Sur la montée. Là, le Weezer, il enlève le poignet pour éviter que Abou se relève. Pression sur la tête, il va chercher là le dos. Attention à cet étranglement, attention à Abou tout de suite, il voit. Il a amorcé, mais. Bon réflexe d'Abou aussi qui recompose à chaque fois. Il va chercher une demi-garde. Là, attention pour le triangle. Mais comme tu le dis, il est composé, il est relax, il n'est pas en panique, il se réajuste à chaque fois. Non, il n'explose pas bêtement en lui offrant une position. Bon, par contre, je ne suis pas trop sûr de cette guillotine. Là, il faudrait peut-être qu'il essaie de se relever. Et voilà, les pieds bloqués en fait. Les deux pieds joints, ce qui fait qu'il ne peut pas écarter ses jambes pour recomposer, utiliser. Tant que ses jambes sont hors du sol, il ne pourra pas se relever. Beaucoup de gens sont mis à ça maintenant depuis que. Khabib. Pas que ça n'existait pas avant, mais depuis que Khabib fait ça, maintenant il triangle les jambes de son adversaire. On voit beaucoup plus de combattants faire la même chose. Ils ont compris que ça marchait. Ah, ils partaient sur un katagatame à la fin. Joli round, je dirais. 50-50 sur celui-là, non ? Crawl, ce soir, il est venu pour gagner. Hein. Ouais. Il est venu quand même. Et ça a peut-être aussi un peu déstabilisé Abou. Ça fait peut-être douter. Parce que sur le papier, Kroll, bon, il peut avoir l'air d'être un adversaire assez facile, mais lorsqu'on est à lui, il boxe bien, il bouge bien. Le record ne dit pas toute l'histoire sur un adversaire. Non, pas du tout. Ça, et on le disait juste avant que 5-5, faut pas. Ça veut rien dire, c'est sur le papier. Mais sur le terrain, dans l'octogone, David Kroll montre vraiment qu'il en faut. Je me rappelle de certains combattants qui avaient de très très bons records et pourtant n'étaient pas bons du tout parce que voilà, ils choisissaient leur adversaire. Je connais un particulièrement qui aimait faire des combats amateurs à la frontière allemande, qui se fait tout un petit record comme ça, qui se prenait pour une belette et qui valait pas un cachou. Donc voilà, le record ça veut pas toujours dire quelque chose. En tous les cas, Kroll ce soir il est vraiment à fond et de son côté, Abou toujours à lui-même, complet, qui réajuste. Et là voilà, deuxième round, il va se dire bon voilà, Kroll est venu pour gagner, il va peut-être falloir réajuster certaines choses, il va avoir de bons conseils de la part de Cyril, on va voir ce que ça va donner. Voilà la condition physique des deux aussi. On sait que Kroll, bah voilà. Je suis pas si sûr, mais j'avais l'impression que. Quoique Kroll, j'ai déjà vu suffoquer dans. Il a mal au genou, Kroll. Non, Abou. Il a mal au genou. J'avais l'impression que Cyril lui tenait le genou entre le round. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait mal au genou. Aïe, il a pas l'air de pouvoir mauvais. Ouais, je crois que. Non, ça a pas été. Ah! Je pense qu'il veut y aller, mais je pense qu'il peut vraiment pas prendre appui dessus. Avoir la. J'ai vu qu'il lui tenait le genou entre les deux rounds. S'il réagit comme ça, c'est vraiment que c'est. Ça va être compliqué. C'est mauvais. Hein. C'est vrai que s'il arrive pas à mettre quelque chose qui a lâché, je ne sais pas du tout. De là, ça va être difficile. Ça serait vraiment dommage, parce que c'était un bon combat assez équilibré. Ça serait dommage de perdre sur quelque chose comme ça, surtout quand on est invaincu. Ouais, c'est une première défaite hein, de la sorte, c'est un peu frustrant, on va dire. Hein. Le docteur vérifie la blessure. Bon, ils vont arrêter, ouais, je pense. C'est fini. Hein. C'est fini. Ouais, on est décevant. Fair play de David. Voilà, c'est toujours décevant de la part et d'autre. Il contrôle son émotion. Alors c'est toujours décevant parce que bon, d'un côté, on a vraiment envie de gagner de la meilleure des façons, soit par soumission, soit par KO, en tous les cas, que ce soit voilà, clair et net. Donc même pour David, c'est un peu frustrant. Mais bon, demain matin, ça sera beaucoup plus frustrant pour Abou en tous les cas. C'est clair. Voilà, donc victoire de David Kroll face à Abou Tonkara qui aujourd'hui goûte amèrement à sa première défaite. Pour cause de blessure. J'aurais bien voulu voir un peu plus de Kroll aussi, moi personnellement. Alors après, je suis content qu'il ait gagné. Hein. Et voilà, on a pu voir qu'il avait vraiment progressé sur certains poids. Donc voilà comment il allait réajuster au deuxième, troisième round. En tous les cas, ça serait bien de le voir ici à l'European Beatdown et voilà qui
il continue sur sa lignée de victoires, parce qu'il avait gagné son dernier combat. Pourquoi pas une revanche d'ailleurs aussi. Pourquoi pas une revanche. Et on souhaite bien évidemment hein, un bon rétablissement à Abou Tonkara, qui nous revienne en forme. Voilà, donc deuxième. Et donc, déclaré vainqueur par TKO à l'appel de la deuxième reprise, monsieur David Donatiu Kroos.